السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. مواطن من النيجر يتكلم عن تدخل الجزائر ودفاعها على النيجر. L'Algérie interviendra si les troupes de la CEDEAO font éruption au Niger. L'Algérie va envoyer son armée. C'est lui. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, l'Algérie, on dit, si vous essayez d'attaquer le Niger, moi Algérie, deuxième puissance militaire, selon les papiers, sur les papiers, deuxième puissance militaire en Afrique, je vais réagir. Celui qui attaque le Niger, je vais l'attaquer. Parce que les gens disaient que, oh le Nigeria, Mali parle, Mali dit quoi? À Burkina même là, vous êtes qui devant le Nigeria? On vous dit que l'Algérie dit que celui qui touche le Niger, il a affaire à moi. Je rentre en guerre contre la personne. Et d'abord, je dois vous lire ce qui est écrit et ensuite je mets la vidéo. N'oubliez pas de pousser le bleu. L'Algérie interviendra si les troupes de la CEDEAO font éruption au Niger. L'Algérie va envoyer son armée. Si la CEDEAO envoie une armée au Niger, l'Algérie va envoyer son armée. Les médias locaux rapportent que l'Algérie a commencé à placer des troupes en état d'alerte à la frontière avec le Niger. À la suite du coup d'état militaire qui a chassé le président du Niger, la CEDEAO a exigé que le statut soit rétabli dans un délai d'une semaine. Faute de quoi, l'organisation pourrait déployer des hommes pour faire face à la situation. Chers frères, la CEDEAO qui disait qu'ils allaient envoyer des hommes pour aller faire face aux nouvelles autorités du Niger, voici qu'aujourd'hui, l'Algérie, là, ils ont déjà mis leur armée là, en alerte. Les gens sont déjà prêts à intervenir. Mais famille, quand je vous dis que la Russie et ses alliés en Afrique sont plus puissants que ceux d'Alassane Ouattara, ils pensent que je m'amuse. Je parle, les gens sont là. Vous allez finir par vous rallier à tout ce que je dis. À chaque fois, je vous dis, la Russie et ses alliés, c'est-à-dire en Afrique, là, la Russie et ses alliés en Afrique, c'est-à-dire nous, là, nos alliés là sont plus puissants que les alliés d'Alassane Ouattara. Voici que, avec la complicité des Occidentaux, la CEDEAO a voulu envoyer une armée au Niger. Mais voici que les alliés de la Russie en Afrique disent que celui qui touche le Niger aura affaire à lui. Et l'Algérie a déjà commencé à déplacer ses troupes vers la frontière du Niger. Et aussi, le Mali est déjà en alerte, le Burkina Faso est en alerte, la Guinée est en alerte.